sommes ici à Vilaine le 31 mars au Salon de chocolat et des gourmandises. On va essayer de découvrir quelques-uns des quinzaines des stands. Voilà ça. Je suis avec la présidente donc, des Lions Club des Poissy-Blanche-Tapissy. Merci. Et donc vous organisez pour la première fois le Salon du chocolat et des gourmandises. Quelle était l'origine de cette idée sympathique et idéale pour les gourmands? Eh bien, nos amis Lions, messieurs, font des salons des vins. Et nous sommes un club de femmes de 14 membres et on aime les gourmandises, donc on a pensé au salon du chocolat et des gourmandises. Et on a choisi la ville de Vilaine parce qu'elle nous a aidés et soutenus dans notre action. Et nous avons eu une assez jolie réussite. Alors ce salon est dédié entièrement au handicap, donc à l'aide des handicapés, et notamment cette année à la Maison de Marie à Poissy. D'accord. Et dites-moi, cette première expérience, quelle est la première idée qui vient? C'était satisfaisant? C'était content? C'était très satisfaisant, on est très content. Les gens ont répondu présents et les gens de Vilaine, de Poissy et d'ailleurs sont venus à notre salon et on est vraiment très satisfaits. D'accord, donc rendez-vous l'année prochaine alors. On espère, monsieur. D'accord, merci madame Emma et à bientôt.